Salut Malo. Attends, je mets mes écouteurs et j'arrive. Oui, je les retrouve évidemment. Je vois pas l'écouteur. Je ne sais pas où sont mes écouteurs. Comme j'ai foutu un bordel monstre ce matin, je risque pas de les retrouver. Ouais, bon, encore une paire d'écouteurs que j'aurais perdu. Je suis pas où ils sont, donc je vais fermer la porte. Ils sont peut-être dans le tiroir, mais s'ils sont dans le tiroir, et ben je peux pas les atteindre. Bon, c'est pas là. Sinon, comment ça va, Malou? Là. Coucou, Danicine. Bon, j'ai dormi un peu, j'ai toujours très mal et je suis toujours en colère, mais ça va mieux, oui. C'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. Oui, remise, assez remise en tout cas pour broder. Parce que ce matin, à 7h, j'étais en train de déménager tous les meubles, de faire en sorte que tout mon matériel soit protégé, etc. 8h30 personne, 9h moins le quart personne, donc au bout d'un moment on descend. Et la gardienne, la bouche en cœur, bref, restons polis, qui me dit mais ils viendront pas parce que c'est trop encombré. Donc, après avoir gueulé un bon coup, il a fallu tout ranger. Donc à 11h j'étais comme ça. J'en pouvais plus, je tenais plus debout. Je tombais à 0,5 de glycémie. Donc le temps de manger, de faire une sieste, et après je me suis remis à broder. C'est bien, on va dire que j'ai 2 jours de congé, j'ai un week-end de 4 jours, c'est bien. Enfin bref. C'est comme ça, ils viennent mercredi. Pour voir ce qu'il faut faire. Ben c'est évident, madame, qu'il faut avoir bougé les meubles la veille. Ben bien sûr, monsieur. Et puis comme il faut bouger le lit, je dors par terre, c'est ça? Au milieu des meubles? Par le bailleur, puisque moi j'habite dans un logement social, en fait. Donc c'est le bailleur qui a choisi.
Donc, puis alors les mecs qui sont venus hier pour voir l'appart, alors déjà ils préviennent ni d'Ève ni d'Adam, donc je suis rentrée, ils étaient devant la porte. Ils regardent les pièces, etc. Ils me disent faudra bouger les meubles. Je fais oui. Je fais par contre pour les plus lourds, j'aurais besoin d'un peu d'aide, mais sinon le plus gros sera fait demain matin quand vous arriverez. Ok, pas de problème. Il se barre et là j'apprends ça. Et puis alors il parlait français comme une vache espagnole dans un pré portugais, si tu veux. Vraiment, vraiment. Vraiment des connards, quoi. Bref. Et puis alors la gardienne, celle-là, si je pouvais la faire tomber dans les escaliers, franchement, je la pleurerais pas. Vraiment pas. Du tout. Mais bon, c'est pas grave. On continue le timbre. 1, 2, 3. Ça me calmera. 1, 2, 3. De toute façon, les loisirs créatifs, il n'y a pas mieux pour se changer les idées. J'avais espéré que Anaïs ferait un live, mais elle m'a dit qu'elle le ferait demain. C'est pas très grave, non? Et demain. Ah, mais ce soir, il y a le live de. Ah, zut! De Lorraine. Donc, il faut que je ressorte ma toile paysage pour bosser dessus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, faut que je monte les vidéos que j'ai tournées aussi, puisque j'ai tourné en petit vlog. Je ne sais pas trop si on peut appeler ça un vlog ou. J'en sais rien. Donc, faut que je vous le monte et que je vous le poste. Et puis, j'ai fait une bêtise. J'ai choisi combien de timbres? J'en ai 8 pour l'instant. Enfin 9 parce que le Lilo et Stitch, c'est un lot de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 6. Et en fait, le Mouchou, c'est pour une copine et le Stitch, c'est pour son frère. Donc en fait, son frère, c'est mon meilleur ami. Et comme elle habite en Corse et qu'elle vient là début septembre, je voulais lui offrir. Je pense que je vais lui faire rapidos une trousse. Et je lui mettrai le mouchou comme timbre. Je vais lui faire une trousse format enveloppe. Je vais lui mettre le mouchou en timbre et je vais lui broder son prénom. Alors, qu'on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 et 3, 7, c'est bon. Mais au final, en changeant d'aiguille, parce qu'en fait, sur le mouchou, j'avais une aiguille trop grosse. Je pense que c'est pour ça que j'ai galéré. Donc là, j'ai changé d'aiguille, parce qu'en fait, ça m'est complètement sorti de la tête de. Oui, je vais découper ma toile en petits bouts. Et là, je pense que j'ai la place d'en mettre un, et là, j'ai la place d'en faire une deuxième ligne. Alors je sais pas si je les ferai tous sur fond noir parce que le château Disney, clairement, je ne les ferai pas sur ce fond-là. L'îlot, je suis pas sûre que je la broderai. Ah zut. Ah oui, bon, c'est pas grave. Alors j'ai Hocus Pocus et. Je crois que. Alors attends, je vais te dire ce que j'ai. Drive. Donc j'ai le château Disney, Donald, à coup du voyage du Chihiro, Hocus Pocus, Jack Skellington, donc Lilo et Stitch, un Nifler, la petite sirène et le Zéro, donc le chien de Jack Skellington, le chien fantôme. Donc je pense que là, en octobre, je vais me garder Hocus Pocus, Jack. Et zéro pour le mois d'octobre. Et après, on verra pour les autres. J'espère avoir reçu mes toiles Sweet Hall avant le mois d'octobre. Je sais pas trop combien de temps ça prend.
Et du coup, il y en a une sur laquelle je broderai bien les timbres d'Halloween. Mais bon, on verra bien. Le château Disney, je voudrais le broder sur un tie-and-dye rose et bleu. La petite sirène, je ne sais pas encore. Et à coup, j'aimerais bien le broder sur une toile genre qui fait un peu ciel, quoi. Oui, le nifleur, mais je me dis que pour le nifleur, parce que je crois qu'il y a une pièce sur le. Donc que je vais broder la pièce au fil d'or, je pense. Ouais, il a une pièce, donc. Ah ouais, mais c'est du. Attends, je ne trouve plus. Ah voilà. Il a une pièce dans les mains. J'essaierai de. Ouais, je vais mettre du fil d'or sur la couleur principale. Et puis. Je vais voir si j'ai assez de fil métallique, assez de nuances de fil métallique pour faire la pièce. Parce que là, il y a un. Il y a une, deux, trois couleurs. Il y a peut-être moyen que j'ai trois nuances. Il y a peut-être moyen. Donc je vais peut-être la faire au fil métallisé. Et du coup, ce sera peut-être le prochain. Comme ça, celui-là, je le garde. Et je me fais une trousse pour mettre mon matériel de broderie, par exemple. Oui, ça peut être bien ça, mais pas sur le noir, du coup. Sinon, toi, Malo, tu bosses ou tu es. Ou tu brodes, ou tu fais du DP, ou. Ce que tu veux, en fait. Alors, ce serait bien de revenir à la toile qu'il me faut. Ah oui, ça, c'est bon. Et donc. Et puis j'ai un livre de points de croix qui s'appelle. Alors attends 2 secondes, voilà. Qui s'appelle Le pays enchanté aux points de croix, qui est très automnal. Donc, je vais peut-être en faire un ou deux aussi cet automne. Mais j'ai pas de toile, à part la dorée, j'ai pas de toile qui fait très automnal. J'ai la rouge, mais la rouge, je la réserve pour la lanterne d'automne. Alors il faudrait que j'avance sur celle d'été aussi. Mais bon, faudrait que j'avance sur tellement de trucs. Faudrait que j'arrête de commencer des trucs. Mais en fait, c'est sympa de commencer des trucs. De les voir avancer aussi, hein, mais. Ouais, et puis alors avec les listes Etsy, laisse tomber la mienne, elle est passée, elle a doublé la mienne, c'est pas très grave, mais bon. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on compte avec moi les enfants, c'est la rentrée. Oh, faudrait que j'appelle une copine ce soir. C'est sa première rentrée en tant que professeur des écoles. Quoique, je sais pas si elle est rentrée aujourd'hui ou si elle rentre que. Ah bah non, on est jeudi. Ah bah je ne sais rien. Faut que je l'appelle. J'ai une autre copine prof. J'ai deux autres copines prof qu'il faut que j'appelle. Je me demande si je vais pas leur proposer une visio ce week-end. Comme ce soir, il y a le live de Lorraine. Demain, il y a le papotage Discord. Bah ce sera samedi, hein. Donc. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 5.
6. Hein? 9. Voilà. Et donc, je compte 3. Donc, bah, ces 3-là, du coup. Et aussi, j'ai trouvé une application qui s'appelle Pocket Mag 3. Enfin, je crois que c'était. Je sais plus si c'était Morgane ou Anaïs qui avait parlé de cette appli. Et du coup, il y avait une promo. Je sais plus quand. Il y a quelques jours. Où certains numéros étaient à 2 euros au lieu de 6. Donc j'en ai pris quelques-uns de broderie et je les ai mis sur ma tablette. Et du coup, les grilles qui sont illisibles sur mon téléphone sont lisibles sur ma tablette. Bon, ça va être un peu galère parce qu'on ne peut pas marquer, on ne peut pas le faire passer dans une application, etc. Je ne peux pas l'imprimer non plus, mais au moins elles sont lisibles. Peut-être qu'en faisant une capture d'écran, je pourrais les imprimer. Ça, c'est peut-être une idée à voir. Mais bon, au moins, je pourrais les faire. Et il y en a un, notamment, que j'aime beaucoup et qui, évidemment, j'ai fermé. Alors, où est passé Pocket Mag? C'est autre chose. Ah, cette tablette. Pocket Mag. Bon, bah, ça met du temps. Alors, ma librairie, et c'est celui-ci. Et donc, le modèle, c'est... ça. Donc, pour Halloween, ce sera très 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 bien. Je sais pas encore sur quelle toile je vais faire ça, mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en attendant mes toiles Sweet Hall et de commencer le Touch of Magic, je pense que je vais commencer celui-là. Et du coup, la grille, elle est comme ça. Donc ça va être un peu galère. Je peux l'agrandir, etc. Mais, ça va, mais je peux pas marquer, je peux rien faire. Donc je me dis, je vais peut-être essayer la capture d'écran... Et merde. Bon, enfin bon, il faut que je me débrouille pour essayer de faire une capture d'écran potable. Mais du coup, voilà, je pense commencer celui-là. Donc là, je vais finir mon stitch. Je vais faire mes deux trousses. Et après, je commence celui-ci. Qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors... Donc j'ai acheté d'autres numéros de magazines. Alors c'est pas forcément celui-là. J'ai pris ceux qui m'intéressaient. J'ai pris aussi du crochet parce qu'il y avait certains modèles d'amigurumi qui me plaisaient bien. De la broderie et quoi d'autre? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris des numéros de Doctor Who Magazine. Forcément. Un jour, il va peut-être falloir aussi que je fasse une broderie Docteur Who. Ce serait bien si... Ah, j'ai... Ah oui, mais je sais pas designer... Il faut que j'aille acheter... Je vais aller acheter, là, pendant la... vu que c'est la rentrée des classes, je vais aller acheter un paquet de copies à petits carreaux, là, pour pouvoir... essayer de designer des petits points de croix. Et on va voir si j'y arrive. Parce que si c'est moi qui dessine, il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Hein? Bon, après, vu que c'est une marque déposée,
J'ai pas le droit de me faire de sous avec. Mais bon. Oui, non, mais Pic2Pac, c'est. Mais le problème de Pic2Pac, c'est qu'il faut des images libres de droit. Alors que si c'est moi qui les design, c'est vraiment moi qui fais le design que je veux, à la taille que je veux, avec les couleurs que je veux. Je verrai, je vais essayer. Et puis, Pic2Pac, j'en ai déjà un de Doctor Who tout près. Mais c'est du full coverage et c'est grand au final. Donc bon. Puis c'est pas comme si dans ma liste Etsy, j'avais largement de quoi faire. Hein? Déjà, rien que ceux que j'ai achetés déjà, ça suffit. Ça va. Ah oui, mais il y avait une promo ce matin. Il faut que je revérifie. Je sais plus sur quelle boutique. T'en achètes 5, t'en as 3 offerts. Coucou Virginie, comment ça va? Et il y en avait plein d'Halloween qui étaient trop beaux. Et qui n'avaient pas l'air très grand ni très compliqué à faire. Donc il faut que j'irai voir tout à l'heure. Voilà! Ça c'est fini. Bah écoute, ça va mieux que ce matin, déjà, hein? Ce qui n'était pas évident, donc c'est pas mal. Mais grâce à vous, j'ai craqué sur Etsy sur un modèle Halloween de Lil Stitch. Oui, alors on dit pas grâce, on dit à cause. Enfin, sauf si t'es contente, mais... Ouais, non, moi j'ai été faire la liste de Morgane, je l'ai pas encore finie en entière. Mais je pense que c'est déjà pas mal parce que le problème c'est que, bon, elle n'a pas que du point de croix, certes. Le problème c'est le reste de ses loisirs me plaisent aussi. Genre ces petits patrons de nounours là, ça a l'air trop bien. Bon, faut juste que j'achète du mohair, mais zut quoi. Donc bon. Ça m'énerve de ne pas retrouver mes écouteurs, mais bon. Très très contente car tu t'es enfin lancée à commander sur Etsy. Ah bon? Tu t'étais un peu frileuse de commander sur Etsy? Ou t'avais jamais sauté le pas parce que tu savais que ce serait très dangereux pour ton porte-monnaie? Alors ensuite, c'est le 910. Ah! Ça va le faire. Ah oui, les deux. Oui, je peux comprendre. Ceci dit, moi, j'ai toujours été plus sécure au départ, hein, avant que je me lance. J'ai toujours été plus confiante en Etsy qu'en AliExpress. Mais bon, j'ai rarement eu de problème. J'ai plus eu de problèmes sur AliExpress que sur Etsy, d'ailleurs. AliExpress, il y a une toile de Home Fun qui a été perdu cet hiver parce qu'en fait le camion de la poste a été attaqué. J'attends toujours qu'il me rembourse. Hein. Et tout le monde se renvoie la balle. Ah non, c'est pas nous, c'est la poste. Ah non, c'est pas la poste, c'est le fournisseur. Enfin, bref. Bon, après, 99% du temps, tout se passe bien sur Ali. Hein. Sinon, j'aurais pas acheté autant. Mais bon. J'ai trouvé aussi un nouveau loisir créatif. Alors au départ, je ne l'avais pas cherché pour moi, mais pour mon meilleur ami pour son anniversaire. C'est le montage de petites structures en bois, mais les pièces sont prédécoupées. Donc je lui en ai acheté un pour son anniversaire. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que j'en achète un pour moi aussi. Là, je ne l'ai pas acheté pour moi, parce que je me suis dit, non, mais c'est bon, j'ai assez de trucs à faire. J'ai effectivement assez de trucs à faire.
Oui, ça va être beaucoup plus beau ce vert que celui qu'ils avaient choisi. Hein. Parce que oui, j'ai modifié les couleurs de l'arrière-plan, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai pris mon nuancier DMC. Et je vous conseille à toutes d'acheter ce nuancier DMC. Hein. Et alors, il y en a un. Moi, le mien, il est sans les fils. Mais franchement, vous n'en avez pas besoin. C'est extrêmement utile quand on se plante, par exemple. Enfin, quand on a bobiné sur la mauvaise cartonnette, qu'on a mis le mauvais numéro, qu'on a des diamants dans un DP où on ne sait pas trop, on n'est pas très sûr que ce soit la bonne couleur ou des trucs comme ça, c'est très très utile. Et quand on veut, comme moi, modifier par exemple des couleurs, et ben, tu prends ton nuancier, tu regardes ce que tu as envie, ce qui irait bien, et tu choisis la couleur en fonction. C'est très 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 pratique. Je suis très contente de l'avoir acheté. Pendant longtemps, j'ai refusé de l'acheter parce que je le trouvais cher. Comme tout ce qui est de la marque DMC. Mais c'est finalement très pratique. Alors, je fasse pas de bêtises quand même. 14. 1, 2, 3, 4. 1. 1. Et le chat qui fait encore de la merde. Je vais la mettre sous Ilken, comme ça au moins elle arrêtera de faire de la merde. Et Malou, toi, tu fais quoi comme loisir? Tu fais de la broderie, ça j'ai compris. Il me semble que tu fais du DP, mais je suis pas sûre. Et toi, Virginie, je t'ai pas demandé, tu es sur quoi? Et les autres aussi, s'il y a d'autres gens. Vous faites quoi? Alors, Danessine, elle bosse en m'écoutant. Et les autres, ils font quoi? Café. Il n'y a presque plus de café. J'ai perdu mon compte. Ah, c'est un peu chiant quand on n'a pas de quadrillage. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5. Et 5. DP, mais complètement abandonné. Pour l'instant, on verra plus tard. Oui, bah écoute. Je viens de rentrer des courses de la rentrée scolaire. Ah oui, je vais aller chercher ma fille dans 15 minutes. Oui, vive la rentrée scolaire. Oh là là. Je me souviens des courses de la rentrée, c'était le meilleur moment de l'année scolaire avec les vacances. Mais bon, c'est vrai que ma mère, elle a acheté que les consommables, hein, c'est-à-dire les feuilles. Le seul truc qu'on avait le droit un peu funsy, c'était l'agenda. Donc tous les ans, on avait le droit de choisir un agenda. Alors vu, c'est pas non plus à des prix faramineux, mais c'est le seul truc où on pouvait mettre un peu cher par rapport au reste. Donc elle nous faisait, enfin elle rachetait les feuilles et les cahiers s'il y avait besoin, mais le reste, elle vérifiait avant d'acheter quoi. Je suis sur une toile, sur une étamine 10 fils.
Donc c'est l'équivalent normalement de 14 CT si tu le fais en 2 sur 2, sauf que moi je le fais en 2 sur 1. Oui, pas pour le portefeuille, ça c'est sûr, Virginie. En 2 sur 1, c'est-à-dire que en fait, normalement, j'aurais dû sortir mon fil, sauter un trou. Là, tu vas pas voir grand-chose. Sauter un trou et planter, enfin, et planter en diagonale dans le suivant. Donc, ça aurait fait des plus grosses croix. Mais moi, j'aime pas parce que une fois sur deux, je me plante et ça augmente la difficulté. Donc, quand j'ai de l'étamine ou de la Murano ou du lin, je fais en 2 sur 1. Enfin, ou 1 sur 1, mais je saute pas de trou. Et du coup, ça fait beaucoup plus petit. Ce qui est pas plus mal pour ce motif. Encore le mien raisonnable, en terminale, il fait un peu comme il veut pour le matériel. Bon, voilà, c'est bien. Bon, après, ce qui est chiant, tu vois, c'est quand les profs, ils te disent, ah, je veux un cahier. Grand carreau rouge 24-32 où il n'y a rien marqué machin. Mais pourquoi tous les profs ils prennent pas des feuilles comme tout le monde, hein? Tu prends deux classeurs, un trieur et basta quoi. Tu prends que ton trieur avec toi, un paquet de feuilles, ta trousse et c'est marre. Et t'as plus besoin d'autre chose quoi. Non. Il faut le cahier qui vient de Tombouctou, machin bidule truc là. N'importe quoi. Enfin... Là-dessus, les profs. Oula. Qu'est-ce que. Voilà, je suis là. Eh ben oui, ça, non, mais les profs, t'as l'impression que c'est eux qui font les courses, en fait. Que, en fait, ça les... Non, mais ils sont un peu bizarres, les profs, hein, à vouloir spécifiquement un matériel particulier. Ça change quoi qu'il écrit sur un cahier ou des feuilles? Enfin, c'est bon, à partir du moment où il apprend ses cours et où il est capable de te les réciter en les ayant compris, qu'il les écrit sur un cahier ou sur des feuilles, ça change rien. Hein. Puis, il y a les livres à acheter... qui peuvent pas te les prêter d'une année sur l'autre. Enfin si, ça dépend des établissements, mais bon quand même. Puis alors le mieux, je crois, c'est les cahiers de langue. Les cahiers d'exercice de langue, là, qui vont avec le livre. Que t'en as genre 12 millions, qu'il faut avoir la bonne référence, sinon c'est mort. S'en foutent, c'est pas eux qui portent le cartable. Bah oui, je sais. Les autres n'ont rien imposé, donc en effet, c'est trieur et un gros classeur à la maison. Et ben voilà. C'est pas compliqué quand même, hein? Alors, où je suis? Je suis là. Et donc là, il y en a deux de plus. Ah, mais là, j'ai hâte du coup de voir. Je vais attendre qu'il soit, je sais pas, 18 h, un truc comme ça. Et j'appellerai les copines. Bah, surtout la copine qui a fait sa première rentrée. Et on verra comment ça s'est passé. Si elle a bien fait sa rentrée aujourd'hui, parce que il y a encore une semaine, elle savait pas quel jour elle commençait. Donc bon. Il n'y a plus de livres, les manuels sont téléchargés sur tablette. Oh là là, c'est beau la technologie. T'es dans quelle région, Virginie? Parce que c'est pas en région parisienne que ça existe, ça. Ça m'a tué cette histoire. Et le pire, c'est qu'il va falloir recommencer, quoi. Déjà qu'hier, ça me stressait. J'étais là, putain, ils vont venir demain. J'ai pas envie. Ils vont venir demain. J'ai pas envie. J'ai très mal dormi à cause de ça. Et là. Enfin bref, les Bouches-du-Rhône. Ouais. À croire que de toute façon, les nouveautés, en fait, n'arrivent à Paris qu'en dernier.
Je ne sais même pas si c'est faisable dans les académies comme Créteil et Versailles. Versailles, peut-être une partie, là, dans le 78, peut-être, dans le 95, un peu moins. 91. Alors Créteil, en 93, va équiper les gamins en tablette, quoi. Sans qu'ils les revendent derrière. Ouais. C'est mieux hein, que ce soit téléchargé sur tablette. Honnêtement, maintenant. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais au lycée, je voyais les petits sixièmes, le cartable était aussi gros qu'eux. C'est à ça qu'on les reconnaissait. Tablettes sont fournies par le Conseil général. Oui, non, mais ça, d'accord. Mais va équiper dans le 93, là, dans ma cité, tu peux leur filer les tablettes. Hein. Elles font pas 3 jours. Hein. Et ils vont pas leur enfiler 4 par an des tablettes. Hein. À mon avis, c'est une pas toute pour toute la scolarité. Donc, bon, mon fils a déjà eu une tablette et 2 notebooks. Ah, quand même. Eh oui. Bah tant mieux, hein. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux déjà pour la santé. Pour éviter de porter X kilos sur le dos. Ouais, je vais mettre Coucou Morgane, comment ça va? Alors, ouais, c'est mieux, c'est un peu plus haut déjà. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et surtout pour les gamins qui peuvent pas rentrer chez eux entre midi et deux. Oui, moi c'était mon cas, j'étais demi-pensionnaire, je pouvais pas rentrer. Bon après j'ai vite appris à n'emporter que le minimum. Hein. Alors ouais, on va faire par là. Et avec la copine que je m'étais faite au collège. On s'était réparti la tâche. Donc chacune amenait. On amenait 1 livre sur 2, quoi, en gros. Mais ce qui aurait été bien, c'était d'avoir des casiers, quoi. Histoire de pouvoir laisser les livres. Mais bon. École New Generation avec des tablettes et des notebooks. Bon, Morgane, j'ai parcouru une grosse partie de ta liste et c'est officiel, je te déteste, je te le dis, hein. Ma liste d'envie, elle est passée de, je crois, 150 à 250, un truc comme ça. Et j'ai pas fini. En plus, parce qu'il y a les petits patrons de nounours, j'ai vu aussi. C'est pas possible, Morgane, c'est pas possible. Ah, voilà. Là. Ouais, comme tu dis, oups. Mais il y en a, ils sont trop mignons. Mais trop mignons. Et du coup, je pense que je vais aller chez Rennes. Donc, c'est un magasin de tissus à côté du Sacré-Cœur, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a Rennes et il y a le marché au tissu. Donc, c'est deux grands magasins de tissus qui sont sur plusieurs étages. Et là, c'est là où vont se fournir la plupart des couturières qui vivent en région parisienne. Et je pense que je vais aller refaire mon stock, comme s'il avait diminué en 3 ans. Enfin là, j'étais passée au Mondial du Tissu. Enfin, chez Mondial Tissu. Ouais, c'est ça. Chez Mondial Tissu. Et j'ai acheté de quoi faire des tote bags réversibles. Donc, je vais d'abord me remettre. Oups. Me remettre au.
Ok Virginie, bye bye, à la prochaine. Je vais me remettre à la couture tout doucement. En fait, aussi, j'attendais aujourd'hui pour pouvoir me racheter une table. Ne pas avoir à la déplacer quand il viendrait, mais bon, il va falloir attendre. Je me marre bien à suivre vos envies et vos surenchères. C'est, ouais. Oh zut. Et c'est vrai qu'on est, 3-4 comme ça, bien s'engrainer quand même. Ce que je vous ai montré, c'était mes propres patrons, mais j'ai aussi plein de patrons de créateurs. J'ai aussi des kits pas encore faits. Bah, en fait, je t'avoue que j'ai jamais fait de patron de peluche. Donc je pense que je vais en acheter un ou deux, histoire de voir à peu près comment c'est fait. Et après, j'essaierai de m'en faire. Mais vu que j'en ai jamais fait, je vais tenter quand même. Je suis en train de faire une connerie, je sais pas pourquoi. Là, ça passe pas. Je sais pas pourquoi il veut pas. Alors, on va couper, hein, parce que... Mais ils sont vraiment, vraiment, vraiment très, très mignons. Ce que tu as montré. Attends. Parce que moi, je suis beaucoup plus... en couture, je suis beaucoup plus costume historique et accessoires historiques. Que peluche ou vêtements de tous les jours. Il y a un truc que je sais pas faire et que j'arrive pas à faire. J'ai beau m'exercer, m'entraîner, c'est les pantalons. J'ai toujours une jambe à l'envers. Je sais pas pourquoi. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'à l'époque, en plus, je collectionnais, donc j'en ai plein mon atelier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu collectionnes plus. Alors, tu collectionnes plus les nounours, certes, mais tu collectionnes autre chose. Genre les patrons de point de croix. On a toute la collectionnite aiguë, hein. Qu'est-ce que fait le chat? Bon, elle, elle va repartir sous Ilkende ce soir. Les ours, je les couds à la main. Ouais, devant une série, ça peut le faire. Ouais, non, mais j'en ai vu un ou deux. J'en ai vu un dans ta liste qui a l'air tout mignon. Je pense que je vais acheter le patron et j'irai... Quand j'aurai ma table de couture, j'irai me racheter du tissu tout doux, là. Enfin, peut-être pas du mohair, parce que ça coûte cher. Mais je trouverai bien un truc. Certains ours des Russes, par exemple, ont un certain goût. Alors, ça, je veux bien le croire. J'en ai vu... J'ai pas encore fait de recherche, hein. Je n'ai vu que ceux de ta liste pour l'instant. J'en ai vu, je crois, entre 15 et 20 euros, un truc comme ça. Pour les patrons, hein, je parle pas des ours tout faits. Mais bon, je vais voir. Et puis je voulais aussi reprendre le crochet et le tissage de perles. Bref, je me fatigue. Je me fatigue tout seul. Il te reste 4 poids à faire pour ma ligne de juillet. Alors moi, celui que je vais probablement faire, c'est la version univers, enfin la version galaxie, qui est très 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 jolie, parce que moi j'ai toujours été fascinée par le par l'astronomie. Donc je pense que c'est celui-là que je vais faire, celui-là ou la bibliothèque, l'un des deux. Mais ta version pou là, non, j'ai pas envie. Non mais je déconne, j'aime beaucoup Space Invader en plus. J'aime bien parce que quand j'ai regardé ta liste, au niveau série, film, etc., on a à peu près le même goût, même au niveau des mangas. Donc c'est pour ça que ta liste est très 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 dangereuse pour moi, parce que je pense qu'Anaïs, il y a certaines choses qu'elle aimera pas du tout. Enfin, qu'ils la feront pas du tout triper, genre tout ce qui est full coverage de manga, ça va pas être son délire, à mon avis. Mais moi, il faut que je me retienne. Ah oui, ça, il y en a pour tous les goûts, ça, c'est sûr. Est-ce que tu avais vu le film Pixel?
Avec comment il s'appelle? C'est Ben Stiller? Non, c'est pas Ben Stiller. Comment il s'appelle? Si, je crois que c'est Ben Stiller. Pixel film distribution Adam Sandler, pardon. T'as vu un truc, t'as pensé à moi. Est-ce que je veux savoir? Je pense que oui, mais vas-y, balance. Donc si tu l'as pas vu Pixel, regarde-le, ça va te plaire. Si t'aimes bien les jeux vidéo vintage. Ah, dis pause. Ah, la pause, j'en ai un en jouet anti-stress. Alors attends, parce que du coup, si je sais pas si je clique là, qu'est-ce que ça va donner. Donc je me connecte. Chouchouchou, Twitch. Je vais la regarder. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Ah. Bah, je regarderai ça après parce que là je sais, je pense pas pouvoir me connecter comme je suis sur mon téléphone. Alors je sais pas. Oups, j'ai oublié un point. Voilà. Mais je regarderai après, je remettrai le replay comme ça je pourrai les retrouver. Ça, 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 et voilà. Ouais, mets-les dans le Discord, comme ça tu pourras en faire profiter tout le monde. C'est trop bien ça, non? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le chat est en train de faire sa toilette et elle va vomir tout ce qu'elle sait après. J'en ai marre. Je vais appeler la veto et je vais lui demander si elle n'a pas des trucs. C'est possible que je les connaisse déjà, mais... Oups. Mais... c'est possible aussi que je les connaisse pas. Discord, Discord, il est où? Discord, il est là. Adipose, je sais que j'en ai un dans ma liste, mais... Alors... Ah, voilà. Sont bien ces timbres parce qu'ils sont vite finis, mais c'est tout petit. Alors, adipose. Popose. Non, je l'avais pas. Oh, c'est trop bien. Oh, je te déteste. Elle est trop mignon. Avec le tardis et tout. C'est trop mignon. Bon, non, je les connaissais pas. Je les connaissais pas. Je vais les mettre en favori pour changer. En plus, Smart Cross Stitch. C'est un nouveau site, ça. Enfin, pour moi, en tout cas. Je le connaissais pas. C'est pas sympa, parce que ça veut dire que tout à l'heure, je teste la fille qui a partagé sa toile The Witcher, et du coup, je l'ai cherchée, je l'ai trouvée sur ce site. Ah oui, d'accord.
Ça va, moi, The Witcher, je suis pas hyper fan. C'était peut-être parce que j'en ai trop bouffé aussi, comme je bossais pour la maison d'édition, si tu veux. J'en ai un peu bouffé. J'ai d'ailleurs rencontré. Attends. Non, c'était pas cet auteur-là. Si? Non, c'était pas Sapkowski, c'était un autre. Non, mais du coup, t'as trouvé d'autres trucs. Garde-les pour toi, s'il te plaît. De toute façon, je vais aller regarder sur ce site. Donc, garde-les pour toi. Sois sympa. J'ai même pas encore regardé ça. Je l'ai pas regardé non plus. Mais alors déjà parce que l'acteur, je le supporte pas. Il m'énerve. En Superman, il était tellement nul. Oh mon Dieu. Mais tellement nul. Alors, deux. C'est ça. Si je fais deux. Oui, j'ai bien compté. Youpi. Et puis en plus, l'histoire me plaît pas. C'est pas ça que j'aurais voulu voir. Que j'aurais voulu voir adapté. C'est. Je sais plus comment ça s'appelle. Évidemment, j'ai les bouquins, j'ai la BD, mais je vais pas me rappeler du titre, sinon c'est pas drôle. Enfin bref, j'aimerais bien qu'ils adaptent Le Nom du Vent en bouquin. J'aurais aimé qu'ils fassent une bonne adaptation de du sorcier de vérité, l'épée de vérité, pardon. Alors, elle était tellement naze, elle était tellement naze. 2 secondes, oui. Ok. Tellement nul. Je sais pas si vous l'avez vu cette série, mais si vous l'avez pas vu, perdez pas votre temps. C'est pas la peine. Ah, par contre, les livres sont très 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 bien. Série télé, qu'est-ce que j'ai regardé récemment? Bah, Sandman. Sandman, mais qu'est-ce qu'il est bien! Tu l'as vu, Morgane, ou pas? Sandman. Et toi, Malou, tu l'as vu? Enfin, vous l'avez vu, tous ceux qui sont là. Si vous l'avez pas vu, faut aller le voir. Je sais que c'est très bizarre comme univers, mais n'oubliez pas que c'est l'univers du rêve aussi. Et que c'est forcément. Ça a forcément un rythme très particulier. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est bien! Ah oui, bah il faut, il faut. De toute façon, Neil Gaiman, pour moi, c'est Dieu. Il est. Oh, j'ai adoré tout ce qu'il a écrit. Mais tout. Et pourtant, c'était pas gagné pour zut, American Gods. C'était vraiment pas gagné. Parce que c'est pas du tout mon style à la base. Mais je l'ai adoré quand même. Good Omens, laisse tomber. Good Omens, c'était juste parfait. Il en a fait d'autres, il a fait. Oh là là, il en a fait tellement. Coraline! Mais Coraline, quoi! C'est sur Netflix, je crois. Sandman. Il me semble. Oui, c'est sur Netflix. C'est très particulier, hein. Donc Sandman, ça veut dire c'est le marchand de sable. Et donc, en fait, on a un espèce de taré qui veut absolument vaincre la mort et qui décide de convoquer la mort pour l'emprisonner pour que plus jamais, plus personne ne meure. Sauf qu'il convoque le mauvais concept, on va dire, et il invoque le rêve. Et après, ça part en cacahuète. Et c'est trop bien. Alors Neil Gaiman, il a un univers qui est extrêmement particulier, que moi j'adore, mais vraiment j'adore. C'est l'humour typique des Anglais, l'univers typiquement british, vraiment je l'adore. J'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois. J'ai même eu la chance de déjeuner avec lui. Ce mec est un amour. Il est fan de Doctor Who, il a même scénarisé 2 épisodes de Doctor Who.
Donc vous comprenez pourquoi moi je le prends pour Dieu, hein? Et tout ce qu'il fait me plaît en fait. Donc je Sandman, quand j'ai su qu'ils allaient le faire en série, j'ai un petit peu sauté partout dans la porte. Coucou crêpe au Nutella qui me fait toujours envie. Par contre, j'ai trouvé un Nutella sans sucre. Enfin, de la pâte à tartiner sans sucre, on va dire. Donc, je vais essayer, voir ce que ça donne. Si c'est bon ou pas. Comme ça, je pourrais me faire une crêpe au Nutella. J'ai pensé à toi quand je l'ai vu. Là, voilà. Donc oui, si vous ne connaissez pas l'univers de, Neil Gaiman, allez-y. Donc en série, il y a eu American Gods, Good Omen et Sandman récemment. Sandman qui à l'origine n'est pas un roman, mais une, un comics. Qui a un univers graphique aussi très particulier. Alors attention, Sandman, c'est pas pour les enfants. Enfin, moi, je ferai pas regarder ça à des enfants en bas âge. C'est... Regardez-le d'abord tout seul, et après, voyez, en fonction de vos enfants, si vous acceptez qu'ils le regardent. Mais c'est pas un truc à montrer comme ça d'emblée aux enfants. Après dégustation, peux-tu partager mon avis? Oui, bien sûr. Peut-être ce soir, de... je goûterai peut-être ce soir devant le live de Lorraine. Ça va dépendre. Et là, ma sœur, elle m'a trouvé un sucre sans sucre. C'est un sucre en poudre. Enfin, ça ressemble à du sucre en poudre. Mais il n'y a pas de, de glucose dedans, en fait. Donc, c'est très pratique pour saupoudrer, pour mettre dans le yaourt, par exemple. Parce que moi, j'adore les yaourts nature, mais je mets du sucre dedans. Et donc là, je ne pouvais pas en manger. Et j'ai testé, et c'est très bien. Ça s'appelle du xylitol. Je change de sujet, mais est-ce que tu as reçu un mail pour ta toile Dark Queen? Toujours pas. Toujours pas. Et c'est censé commencer au 15 septembre. C'est bien ça? Ah oui, mais si, je peux peut-être regarder. Attends. Ah, Autumn Lane. Si, le voilà. Welcome to the Dark Queen of the Hearthsale. Oui, donne-le une part one. C'est bien. J'ai pas ma toile. Ah oui, provenant du boulot, c'est la nouveauté du moment. J'ai pas compris. Oui, donc si, j'ai bien reçu un mail avec la première partie qui a priori est un bout de la jupe. Ah, le xylitol, oui, d'accord. Mais comme j'ai pas ma toile, ni mes fils, ni rien du tout, bah ça va être compliqué hein, de commencer. Donc, voilà, on va attendre. Non, pour la toile, j'ai rien. Pour la toile, j'ai pas... Non. Non, j'ai rien. J'ai rien et ça commence à me... Hein? Donc, je vais, je pense, leur renvoyer un mail, tout simplement, pour leur demander encore où ça en est. Mais je crois qu'ils ont eu des soucis. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai commandé ça début août. Ça commence à faire long. Ah bon? Bah alors, peut-être que je vais la recevoir aussi. Non, ça marche pas chez moi. Ils te disent quoi dans le mail? Que c'est parti ou... Alors, dans les non-lus... Non, ça marche pas. Vas-y, pas. Eh ben, reviens là, file. Début juillet. Oh, ça veut dire qu'il va falloir que j'attende encore un mois. Oh, putain.
Attends, je dis ça, mais quand est-ce que... Ah non, on a commandé à peu près en même temps. Donc j'ai dû commander début juillet aussi. Par contre, j'ai pas le mail pour le sale. Ah oui, ah bah. Je sais plus quand est-ce que j'ai commandé. Alors, attends. Under the Sea Fabric. Bah oui, j'ai commandé en même temps que toi le 9 juillet, donc voilà. Bah, je vais attendre, je vais voir. Je leur laisse jusqu'à lundi et puis. Et puis bah du coup. Et ils te disent quoi dans le mail? Ils sont en train de vérifier toutes les commandes, donc ça devrait arriver. Ah bah putain, il était temps. Deux mois, sérieux, 2 mois pour envoyer des commandes, quoi. Ah, si t'as un souci au niveau du de Hot Online Stitchery, tu peux leur envoyer un mail, sinon je te transfère le mail que j'ai reçu, comme ça au moins tu auras leurs coordonnées. Je l'ai pas eu, hein, j'ai juste vu qu'on avait la partie 1. Ils ont tout à tenter après. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est vrai que c'est teint à la main. Ouais, mais alors après, tu vois, comment dire ça? Je critique pas la qualité du travail, je sais pas, parce que j'ai encore jamais commandé de toile chez eux. Par contre, niveau communication, on peut mieux faire. Franchement, peut mieux faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une boulette. Bon. Parce que ça leur aurait pas coûté grand-chose de nous envoyer un mail juste pour nous dire on est en train de faire ci, on est en train de faire ça va arriver, ne serait-ce que pour qu'on sache quoi. Parce que j'ai quand même pas l'habitude que ça mette 2 mois une commande, ne serait-ce que pour être envoyée. Ah oui. Je vais re-regarder si j'ai reçu un mail. Moi, curieuse. Non, je leur laisse jusqu'à lundi. Ils communiquent sur le groupe Facebook. Ouais, mais bon, moi je m'en fous du groupe Facebook. Enfin, sur le groupe Facebook de Hot Online Stitchery. J'irai voir tout à l'heure. Là. Bonne soirée Malou. Bisous. Désolée, on est un peu parti dans nos trucs. J'ai un bout de fil là, un tout petit truc qui me gratouille là, ça m'énerve. J'irai voir après pour le sur le groupe. Il faut pas que je refoute les pieds sur Etsy là parce que ça, je me suis un peu trop lâchée là. Oui, c'est bien. Non. RATP, mais que j'en ai à foutre de la RATP. Je regarde mes mails, hein. C'est pas grave.
soyons patients. Donc là, ça va jusqu'où? Ouh là, ça va bas. Là, on commence à voir la tête de Stitch. Faut que je regarde si les couleurs me plaisent, si les tons de bleu qu'ils ont choisis me plaisent. Sinon, j'en choisis d'autres. Allez. Vous voyez pas grand chose là. C'est un peu mieux là. Ça va me gêner pour broder, mais c'est pas très grave. Oh, il faut que je regarde MasterChef, j'ai oublié ça. Avec toute cette histoire, j'ai oublié. Que du coup, comme il n'y a plus Top Chef, enfin il n'y a plus Top Chef, c'est pas la saison de Top Chef, et ben, je regarde Master Chef, j'adore les concours de cuisine. Je déteste cuisiner, mais j'adore les concours de cuisine. En fait, j'adore les concours. J'adore les émissions comme ça où on voit les gens avec un savoir-faire quel qu'il soit. Parce que par exemple, sur Netflix, il y a Envers et contre tout, qui est un concours de soufflage de verre. J'adore regarder ça. Quitte le travail et te reprends quand tu seras dans ta voiture. Très bien. À tout de suite. Et du coup, donc il y a les concours de soufflage de verre, il y a concours de maquillage, mais bon. Je préférais. Donc il y a Face Off, je crois, sur. Non, c'est pas Face Off, justement. Je sais plus quel concours de maquillage il y a. Il y avait des concours de tatouage et surtout ce que j'adore. Les concours de couture, évidemment. Tellement triste de plus voir les Masterchef, je préfère ce dernier à Top Chef. Bah, il y a une nouvelle saison. Qui a commencé la semaine dernière. Sur quoi? Sur France 2, je crois. Alors moi, je sais pas, Top Chef, moi j'ai pris ça l'année dernière en cours. Enfin, en cours. J'ai commencé à regarder l'année dernière. J'ai été happée par le concours. J'attendais celui de cette année avec impatience. Et là, quand j'ai vu la pub pour Masterchef, bah, je me suis dit, ça fait un concours à regarder, quoi. Donc là, 1, 2, 3, 6. Et du coup, bah, j'ai regardé les trois quarts de la première émission. Donc il faut que je la finisse et après que j'enchaîne du coup avec la deuxième. Zut, pas bouger. Trois. Quatre. J'ai chaud. J'ai très chaud. Alors, attends. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai jamais regardé Masterchef, donc je ne sais pas si je vais plus aimer ou moins aimer que Top Chef. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'adore les concours. Enfin, j'adore les regarder. J'aime pas les passer. Et ce que j'avais aimé, par exemple, c'était Projet Runway. Et évidemment, RuPaul Drag Race. Alors, j'ai pas regardé toutes les saisons. Il me manque les dernières. Et puis, j'ai pas regardé les All Stars et tout ça, là. Mais ouais, ce genre de concours, j'aime bien. Parce qu'au moins... on peut apprendre des trucs. Hein. Moi, j'ai appris des trucs en regardant Projet Runway, des tips de couture et de designer. Oups, voilà. Mon Top Chef, ils peuvent me donner tous les tips qu'ils veulent. J'aime pas cuisiner, donc ça changera rien.
Et envers et contre tout, en anglais ça s'appelle Blow Away. J'ai pas de four qui va jusqu'à 1500 degrés pour souffler mon verre à la maison, donc ça va être compliqué. Re-tannicine. Des fois, je me suis amusée. Alors, c'était sur l'émission française, là, présentée par Christina Cordula. Je ne sais plus comment elle s'appelait, là, l'émission de couture. Où je m'étais amusée dans la première saison à faire les challenges chez moi. Alors, ça donnait des fois des trucs un peu bizarres. Mais... J'aurais aimé que ça continue, mais je pense qu'il n'y avait pas assez d'audience. C'est dommage. Du coup, sur Netflix, je me suis fait un profil spécial télé-réalité. Enfin, j'ai appelé ça télé-réalité, mais en fait, ce serait plutôt concours. Pour qu'ils me proposent des trucs que je connais pas, quoi, que j'irai pas chercher forcément. Allez, pourquoi ça veut pas rentrer? Voilà. Avoir mal au dos. Enfin, je commence à re-avoir mal partout en fait, parce que j'ai pris un antidouleur après avoir tout remis en place. Mais il commence à plus faire effet. Je sais même pas quelle heure il est. 17h30, ouais. Je pense qu'on va finir l'aiguiller. Bon, je sais pas, on va voir si je finis la couleur ou l'aiguiller avec vous. Voilà. Allez. Il faut que je me mette au montage et comment vous dire, j'ai absolument pas envie. Mais alors, pas du tout. Mais à un moment, faut le faire quand même. Parce que sinon, je vais prendre du retard. Là, j'ai encore des trucs qui sont programmés. J'ai encore, je crois, 2 semaines d'avance. Donc là, ce matin est sorti ma Whip Parade. Donc, tous mes projets en cours. En broderie. La semaine prochaine, je crois que... Je sais plus si c'est mes toiles... Ou si c'est mes kits pas commencés. Mais du coup, il faut que je montre ce que j'ai déjà tourné. Ce serait pas mal. Où je suis là? Ouais, non, je vais finir l'aiguiller parce que je sens que je suis en train de faire des boulettes là. Je vais finir l'aiguiller et après stop. Parce que sinon, je sens que ça va être compliqué. Ouais. Et j'ai envie de revoir Goodman et Sandman. Et de continuer Star Wars aussi. Oh. J'ai la tête à l'envers, j'en peux plus. Ah, je sais plus quoi vous dire. Vous avez des sujets? Ou des questions peut-être? Comme ça je pourrais meubler. Parce que là je vous avoue, je sais plus quoi vous dire. J'ai la tête vide. Allez. Il est... Ah oui, il a une guitare, c'est vrai. Il a une guitare dans les mains, Stitch. Oh, est-ce que vous avez vu le dernier truc qui est sorti sur Disney Plus qui s'appelle Les Incognitos? Je l'ai vu hier, c'est très très con, mais c'est très très drôle.
Ça, par contre, vous pouvez le montrer aux gamins sans problème. C'est très très drôle. C'est genre le meilleur espion du monde qui se fait transformer en pigeon par un petit génie. Alors que y a quelqu'un qui se fait passer pour lui et qui essaye de buter tous les agents tous les agents secrets de l'agence où ils sont. Avec des super drones méga giga génial. Et évidemment, il faut qu'il les arrête. Il faut qu'il l'arrête. Et c'est aussi d'une réflexion sur le regard des autres et sur le placement dans les cases qu'on fait en fonction de la tête des gens. C'est complètement débile, mais bon, c'est comme ça. Donc franchement, c'est pas mal comme film. J'ai bien rigolé. Ça m'a bien détendu. Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Donc, non, pas du tout. Là. Là. Et là. Mais qu'est-ce qu'il va? Ah, c'est les bidules pour accorder les fils, les fils, n'importe quoi. Les cordes de la guitare. Que je me demandais pourquoi il y avait un trou là. Mais c'est le bidule pour accorder les cordes de la guitare. Je sais même pas comment ça s'appelle. Je me demande si je vais réussir à faire les zones où il y a deux fils sur les points arrière. Parce que là, sur le mouchou, par exemple, ça, c'est censé être en deux fils. Le jaune. Le blanc, ici, c'est censé être en deux fils. Ici, il y a des points. Tout ce qui est là, comme ça, là, c'est censé être en deux fils. Pour faire du relief et pour marquer les ombres. Mais j'arrivais pas à piquer avec deux fils et c'était compliqué. Donc je me dis qu'avec une plus petite aiguille, ce sera peut-être plus simple. On verra. Là, pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à broder les points normaux. Je sais que sur le mouchou, il y a eu quelques zones de cafouillage. Donc peut-être que le... Oups. Peut-être que le stitch va mieux... Mais arrête de bouger! Le stitch va probablement mieux se passer que le mouchou. Je sais pas si je brode Lilo ou pas. Je suis pas sûre d'avoir envie de voir Lilo, en fait. On verra. Le mois prochain, je pense que je prendrai... Maléfique. Donc il y en a un à l'italienne où elle est en dragon et il y en a un où elle est en humaine. Donc je pense que je prendrai les deux. Et après on verra. Les Harry Potter me plaisent pas. Je préfère les Disney dans les timbres. Voilà. Les snowballs de Harry Potter, je pense que je les ferai en novembre. De toute façon, faut que je les fasse. Enfin, je voulais les faire sur ma toile Sweet Hall que j'ai achetée. Si elle arrive un jour. M'énerve. Donc, on verra. T'as commandé les supports timbres en bois? Oh là, je serais curieuse de voir ça. T'as commandé ça... Moi, tu mettras une photo quand tu les recevras. Parce que je suis curieuse de voir ça. Je pense que moi, je vais commander une feuille de plastique, là. Pour en faire peut-être le... Pour en faire un en porte-clés. Je sais pas encore lequel. Peut-être le zéro. Ah si, j'ai un porte-clés zéro, je me souviens plus.
Parce que je collectionne les porte-clés. En fait, à chaque fois que mes amis partent en voyage, je leur demande de me ramener un porte-clés et une carte postale. Et s'ils vont dans un pays où les devises sont étrangères, de me ramener genre l'équivalent d'un euro, quoi. Il existe aussi en plastique. Oui, en plastique, ça j'avais vu. Mais du coup, en bois, j'avais pas vu. Et attends, parce que je viens de recevoir un messenger qui me dit. Ah. Parce que j'ai une de mes plus anciennes amies qui bosse là où je bossais avant. Et en fait, là-bas, il y a un chat que j'ai surnommé Nono. Qui venait me voir tout le temps. Et il bouffait les autres. Enfin, il essayait de bouffer les autres. Mais moi, je sais pas, il voulait me faire des câlins. Mais comme il a un tatouage, ben, je l'ai jamais emmené. Et je le regrette, j'aurais dû l'emmener. Et du coup, là, elle me donne de ses nouvelles, puisque elle est revenue au boulot. Bon. Aïe, on va s'arrêter là parce que je sens que là ça devient compliqué. Je vais passer à autre chose. Ouf. Donc je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!